Le chanteur écossais Lewis Capaldi a été pris de tic lié à son syndrome de la Tourette lors d'un concert à Francfort, mardi dernier. Heureusement, le public présent a alors spontanément entonné les paroles de sa chanson « Someone You Loved » pendant que le chanteur prenait ses esprits. Moment émotion pour Lewis Capaldi. Lors de son concert à Francfort le mardi 21 février 2023, il a été pris d'une violente crise de tic, liée à son syndrome de Gilles de la Tourette. Lorsqu'il est victime de ce type de tic, son visage se contracte de manière compulsive, ce qui l'empêche de chanter. Ainsi, C.E.S.T. pendant qu'il interprétait son tube Someone You Loved, qui comptabilise presque 600 millions de vues sur YouTube, qu'il a été victime de ses spasmes le contraignant à stopper sa chanson. Mais heureusement, le public a été d'un énorme soutien pour lui. Comme on peut le voir sur une vidéo publiée sur TikTok, relayée par nos confrères du Billboard, le public n'a pas abandonné l'artiste et a entonné la chanson à sa place. Un soutien inattendu par ses fans, des fans qui terminent la chanson à la place de Lewis parce qu'il rencontre des difficultés à cause de son syndrome de la Tourette, écrit l'internaute en légende. Grâce à cette intervention du public, le chanteur a pu reprendre son souffle. Cette vidéo a fait le tour du monde très rapidement, touchant le public. Il faut dire que cette maladie est assez handicapante dans le quotidien du chanteur. Il avait dévoilé avoir enfin eu son diagnostic dans un live Instagram en 2022. J'ai la Tourette, je l'ai toujours eu, apparemment. Un diagnostic qui ne l'avait pas étonné outre mesure, « je fais beaucoup de contractions de l'épaule », expliquait-il, avant d'ajouter que cela dépend de son état émotionnel. Le pire, c'est que quand je suis excité, je l'ai, quand je suis stressé, je l'ai, quand je suis heureux, je l'ai. Ça arrive tout le temps, se désolait-il. Sans oublier qu'un plus d'être handicapant, cela peut être douloureux, certains jours, c'est plus douloureux que d'autres et certains jours, c'est moins douloureux. J'ai la Tourette, je l'ai toujours eu, apparemment. Parfois, c'est assez inconfortable. Mais ça va et ça vient.